Mon frérot Ziou vient de réaliser une performance incroyable. Vraiment, il a été stratosphérique. Vitality, vraiment, super parcours, en tout cas pour les poules de la Pro League. Euh, et ça nous a fait plaisir. Sous étendard français, en plus, avec Jackito, qui a été exceptionnel aussi, avec une, une émotion. Franchement, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mais j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé cette interaction, cette complémentarité avec Apex et je sais pas, c'est la France, peut-être qu'on est chauvin, peut-être qu'on est totalement biaisé. Donc là s'il y a des Belges, s'il y a des Canadiens, s'il y a des Maghrébins, tous les francophones qui ne sont pas français, je veux votre avis. Est-ce qu'on est ce qu'on est, est, qu est genre trop français, tu vois, genre est-ce qu'on est, qu est trop fier Genre c'est possible ou pas wesh les gars, vous retrouvez dans la description mon site malaccessgo.fr où je référence tout le meilleur matos. En tout cas, ça s'est bien passé. Voilà, ça c'est bien passé. Et je vais vous montrer euh, statistiquement ce qui nous a proposé Ziwoo euh, euh, juste sur les poules hein, déjà, avec 1,61 de rating, le Ziwu. Voilà, 1,61 de rating. Le mec a été stratosphérique. Regardez les stats. Et Jackito, c'est la même chose. Hein. Regardez Jackito, mon bébé Jackie. Jackie, Jackie, c'est pas des lol. Jackie Vitality, c'est pas des lol, les gars. 1,50, 1,76, 1,26. Il a juste une petite game à 0,90, mais il a 20 kills. Ouais. Il a fait 20 kills sur absolument toutes ses games, sauf celle-ci. Mais c'est normal, il y a eu un 16-5, grosse bougna 14-11. Il nous a fait, mais sinon, le mec a été chaud, comme vous pouvez le voir. Donc super 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 parcours de Vitality qui euh, bat Greyhound facilement donc là bah, c'est facile 2-0 tranquillou Audi là c'était un petit match test alors attention Audi était avec un last voilà Nico le, 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 le danois remplaçait Nexa euh, en tant que leader in game et derrière le gros match le gros 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 match que j'ai pas regardé parce que j'étais en live que je me suis fait en replay hier soir quel bonheur quel bonheur 14-1 historique les gars sur Anubis c'est du jamais vu alors moi je vous dis c'était du jamais je pense que c'est un des plus gros comebacks de l'histoire. Il faut que vous regardiez ce match-là. Oui, ça m'a gratté des analyses. Vous voulez une petite analyse et tout Je ne ferai pas d'analyse. Ça, c'est des matchs qui doivent rester dans l'émotion. Ça, c'est des matchs qui doivent rester dans dans le dans, dans l'odorat, dans le dans le. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sensoriel pour que on kiffe. On n'est que diverti et on reste dans cette émotion-là. Je vous jure que je ne veux pas oublier euh, juste ce 14-1 historique. C'est un des plus grands comebacks de l'histoire de Counter Strike. 14-1, on est mené et on revient. Et pour gagner en overtime 19-16. Pareil après sur New Bon, là c'est nous, on se fait comeback. Mais derrière, on est bien, euh, on gagne quand même 19-15. Et donc 2 à 0, on gagne euh, d'une belle manière. Face, euh, les, les champions de Major récents, très solides et ce genre de choses. On a vu euh, le petit zivou avec une nouvelle souris, voilà. Et euh, même lui, voilà, il joue avec euh, la EC2 Wireless. Donc j'attends qu'elle soit de retour en stock. Voilà, j'attends juste qu'elle soit de retour en stock. Elle n'est plus en stock nulle part. Je, je pète un câble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la Est-ce que quelqu'un en a eu il apprécie pas trop la shape et tout. Je... On se trouve un petit truc les frères. On se trouve un petit truc. En tout cas, malexesgo.fr, vous avez toutes les souris. J'attends bien évidemment de lister les dernières EC2 euh, et EC1 qui sont sortis en sans-fil. Qui sont phénoménales. Je le sais de sources sûres avec de gens très fiables. Il y a eu un petit documentaire également sur Zywoo par Gucci. Voilà, il est ambassadeur Gucci, donc la marque de, 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 de luxe de prêt-à-porter. Donc voici, euh, voici le content. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur Ziwoo, il y a euh, des interventions de sa maman, il y a des interventions de, de sa petite copine, euh, il y a des interventions de son frère, vraiment genre mini reportage un petit peu documentaire inside où on en apprend un peu plus sur Zibou, j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors moi, je le connais depuis des années. Sa maman, sa grand-mère, elles se sont déplacées en LAN. Je les ai rencontrées en LAN et tout. C'est une famille qui a toujours été derrière Ziou, qui l'ont porté, qui l'ont coucouné, qui l'ont protégé. Ils ont fait ça bien. Mais si vous voulez en apprendre plus, petit documentaire, je vous mettrai le lien dans la description, les amis. Vous allez kiffer. En tout cas, retour de Jackito, très solide. Vitality euh, en playoff. C'est une bonne nouvelle. Seulement, la mauvaise nouvelle, c'est que Dupré, enfin la mauvaise nouvelle, toutes mes excuses, je vais prendre des pincettes avec ce que je dis. Jackito ne sera pas pour les playoffs et pour la phase qualificative du RMR major. C'est Dupré qui revient, euh, voilà, qui était en congé paternité depuis deux semaines à peu près. Donc je trouve que c'est une mauvaise nouvelle, mais pas trop non plus parce qu'en fait c'est un choix logique. Je me suis exprimé d'ailleurs là-dessus sur Twitter ce, ce matin, bah, tout simplement parce qu'il faut qu'ils reviennent Dupré pour trouver un bon feeling de jeu, un petit rythme de jeu, parce qu'il y a la qualification major que Vitality a travaillé avec Dupré depuis des années, enfin un an et demi maintenant, et que euh, ils ont créé un système et que euh, ça filtrera. Toujours plus avec Dupré qu'avec Jackie. C'est juste qu'avec Jackie, il y avait une synergie, il y avait une émotion, il y avait un truc là. Par pitié, témoigner ceux qui ont regardé le match, mais ça se checkait, ça criait avec Apex et tout, et c'est complémentaire avec Apex. Alors autant le lead d'Apex, vous savez très bien que je suis pas un grand fan de ce que ça propose chez Vitality depuis quelques temps, mais avec Jackie, il bah y a une complémentarité parce que Jackie apporte. Une énergie, une explosivité et euh, de la positivité en fait dans les phases de jeu agressives et tout. Et on sent une impulsion, vous voyez, on sent une impulsion et j'ai adoré ça. Mais il faut être honnête, le choix logique c'est que Dupré revienne parce que c'est avec lui qu'ils ont créé tous les systèmes de jeu. Et on espère bien évidemment la qualification au major de Vitality avec Dupré. J'ai vu des gens sur Twitter, des fous malades. On espère que Vitality va s'écraser la gueule, comme ça on kickera Dupré pour faire venir Jackie et ce genre de trucs. C'est pas la bonne solution, les gars. On veut que Vitality se qualifie avec ou sans Dupré, bordel de merde. Mais par contre, on est très fier de Jackie qui a fait une prestation XXL et qui s'est montré aux yeux du grand public mondial et on espère tout simplement qu'il va décrocher un contrat. C'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est Jackie au haut niveau qui représente la France. On veut ce mec-là dans le haut niveau de Counter-Strike pour nous représenter, pour nous rendre fiers et parce que c'est mon pote, putain. Voilà, tout simplement, Jackie Epsilon, pour ceux qui s'en souviennent, les frères. Putain, quel, quel incroyable homme. Qu'est-ce que je suis fier. Merci d'avoir suivi cette actualité, les amis. Je vous invite à aller vous abonner, comme d'habitude. Hein. Ça donne de la force, ça encourage. C'est très motivant. Donc, merci beaucoup. C'est un petit geste pour vous. Mais franchement, moi, ça me fait extrêmement plaisir. À très bientôt, les frérots.